Oui, bien voilà, on est au Grand Cenote, qui est situé près des ruines de Koba, entre Tulum et Koba. C'est une expérience hallucinante. Là, on le voit de haut, on va aller voir de bas après. Mais c'est immense comme place, l'eau est cristalline. Donc, je vais faire le tour du propriétaire. Ici, on a les toilettes, les endroits pour se changer. Un stationnement. Ça coûte 150 pesos par adulte, ce qui fait grosso modo 12 $ environ. Donc, on a les toilettes, les endroits pour se changer. Et on descend vers la cénote. On peut voir, là, comme j'avais fait la vidéo à Valladolid de la Cénote. C'est un trou, en fait. Notre guide vient nous dire que dans la péninsule du Yucatan, il y en a 14 000 comme ça. Donc, c'est vraiment... À un moment donné, le sol s'est effondré. Et... Ben, en dessous, c'est des rivières souterraines, donc les rivières souterraines ont remonté. Là, il y a beaucoup de monde, il y a des enfants en plus. Ça crie. Malheureusement, j'ai pas mon appareil qui va au fond de l'eau pour faire un film. Mais je vais vous montrer comment l'eau est transparente. Des tortues dans l'eau. Donc on peut voir vraiment que c'est une grotte. On voit plus loin là-bas. On est allé tantôt et il y a plein de chauves-souris. Il y a des martinets aussi qui ont fait leur nid. Donc la profondeur, c'est environ une quinzaine de pieds par endroit. Des fois, on est debout. On peut sortir de l'eau. Donc, il y a cette partie-ci. On va aller voir l'autre partie. Il appelle ça ici la zone des tortues. Ah oui. On en voit. Les voix, il y en a deux. Là. Il y en a une troisième là-bas. Il y en a une quatrième. Juste ici. Il y en a une qui s'en vient à la surface. Et bien, c'est la zone des tortues. Section ici. Il y a une autre section ici. Là, c'est une caverne qui ressort de l'autre côté. Ici, il y a des centaines de chauves-souris. Que l'eau est cristalline. Il y a une petite tortue. On va aller voir plus loin. C'est assez grand comme place. On va remonter. Il
On remonte. Par ici, il y a un autre endroit. Ouch! Je suis venu du pied, ça fait mal. C'est une autre partie de la cénoté. C'est très très grand. On va aller voir. Donc voilà, ça c'est de l'eau encore cristalline. Encore de l'eau cristalline avec des stalactites, des stalagmites. De l'autre côté, ben, il y a deux minutes, je vous ai dit, il y a une grotte qui ressort de l'autre côté, ben, c'est ici. Et en tout ça, il y a plein de chauves-souris. Donc voilà. C'était le Grand Cenote de Cuba.